Ok, et bien salut à toutes et à tous, les amis, c'est pas Alex, on se retrouve pour ce premier, pour ce deuxième épisode, autant pour moi, de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Donc on avait été convoqué au vénérable arbre Mojo, oula. Attendez, je vais rapprocher ça, voilà. Je suis un peu plus à l'aise pour jouer. Donc on va essayer d'aller le voir, je sais plus du tout où il se trouve. J'ai vu que l'épisode dernier vous avez pas mal plu. Si tu veux voir le vénérable arbre, si tu veux voir le vénérable arbre Mojo, il te faut une épée et un bouclier. Hein, c'est quoi ça? Tu as un bouclier Mojo? C'est quoi ça? L'épée coquille. Ok, on a l'épée coquille, donc en fait il est obligé. Il nous dit en fait on est obligé d'avoir une épée et un bouclier pour qu'on passe, sauf qu'on a déjà ça. Voilà. Oula. Oula. J'essaie de me recalibrer. Vous avez obtenu un bâton. Ok. En gros, c'est un équipement. Pourquoi ça fait toucher en tapant? Et voilà le vénérable arbre Mojo. Vénérable arbre Mojo, je suis de retour. Oh, Navy, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant, moi, l'arbre Mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. En gros, il va tout nous réexpliquer du début jusqu'à la fin. Donc en gros, faut qu'on aille le voir, et apparemment il a des trucs à nous donner. Enfin, il a un objet à nous donner, mais il faut rentrer dans sa bouche. Et on entre dans le premier temple du coup. L'arbre Mojo. Regarde le mur, il y a des racines. Ok, en gros, on peut monter aux racines. J'ai déjà fait ce donjon sur le jeu normal, mais je l'ai pas fait sur cette version là. Oula. Du coup, je sais pas ce que ça vaut sur cette nouvelle version entre guillemets. On a moyen d'ouvrir ça ou quoi? Ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, la carte. Bon, bref, ça sert à rien. Enfin, on va pas s'en servir plutôt. Je me suis pas mis à ne pas déranger sur Skype. Ok, en gros, on appuie. Oula. En appuyant avec A, on a moyen d'ouvrir. Ok, il y a quelqu'un qui est totalement penché, voilà. En appuyant avec A, on a moyen d'ouvrir ça. Comment ça marche? Parfait. Vite, faut qu'on court l'attraper. Voilà. On va mettre ça au bord, voilà.
cool, on a ouvert une nouvelle salle du coup. On va aller là. Je sais pas que c'est là où faut aller. GG Link. Oh cool, l'arbalète. N'importe quoi. Tac, donc du coup, hop, je vais dans les objets. Ok. Voilà, donc vous voyez, donc oui, ça marche aussi avec En fait, je peux aussi bouger la DS par rapport à et par rapport à ce que je bouge, ça va faire des choses. Sauf que pour le bienfait de la vidéo, je vais pas le faire. En gros, si je bouge la DS, ça va ouvrir, ça va bouger dans le jeu. J'ai pas lancé le timer pour cet épisode, on va un peu faire ça fini. On a réussi. Ça commence bien, on dit. On essaie de toujours bien viser. Voilà, je crois qu'on a bien visé. En rubis, on récupère. C'est toujours en rubis quoi. Bon, par contre, il y a un petit soleil, je m'excuse. Oula. Raté. Celle-là, faut la tirer quand en fait quand elle se retourne. Voilà. On va aller là-bas. On a du temps, apparemment. Ok, oui, on a du temps. Qu'est-ce que c'est? Ok, une boussole. Ok, ça nous permet de voir les donjons. Ça sert à rien. Hop, allez, va crever. Ok, non, je l'ai pas tué. Mince. Dans objet, excusez-moi. On n'a pas beaucoup de bâtons, on n'a qu'un. Hop, on prend le bâton, on le fait brûler, et on fait brûler ça aussi. De toute façon, là, il n'y a rien. Ah oui. Vas-y, pas gaspiller nos balles. Oula. Ok, c'est ce qu'il fallait faire. Je sais plus si c'est comme ça dans le vrai jeu. Ça m'étonne que ce soit comme ça dans le vrai jeu. Je sais plus. Attendez.
falloir qu'on annonce ça, je pense. Ouais. Attendez, je réfléchis un truc. Je sais pas comment on passe là. Non, vu que là, quoi qu'il arrive, il saute dans le dos. Sauf s'il va là. Ouais, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Faut prendre un bâton, le faire brûler, aller là. Voilà, et faire brûler ça. Yeah, GG! Putain, quoi, où? Voilà. C'est moi. Voilà, donc ça faut tirer dessus. Voilà. C'est moi, j'étais occupé à faire autre chose. Listen. Attendez. Voilà. Comment baisse? Ah non, ok. Ok, c'est bon, je sais. Je viens de voir. C'est pas là? Bah. Voilà. Appuie sur le bouton, chérie. Raté. Je sais pas si on va finir tout l'arbre mojo aujourd'hui. D'accord, donc on peut déplacer ça. Faut s'appuyer. Ouais, faut s'appuyer. Et voilà. Sympa. Mince. Oh là 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 là. Bon, excusez-moi, je me suis trompé le bouton, du coup, j'ai gaspillé une... une pierre. Je lance pierre. Mais bon, pas trop gênant. J'ai trop vite. Voilà. Là. Voilà. En fait, on peut vraiment prendre notre temps. Toi, casse-toi. Je veux. Voilà. T'en as un. Oula. Gros zoom. Voilà, on entre. Donc, on s'accroupit. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Je sais pas combien de temps il fait. Regardez-moi ça, le skill. Le skill d'un homme. C'est quoi? J'ai obtenu une arme aux yeux.
Moi je compte. Qu'est-ce que ça sert à quoi de faire ça? J'ai compris. Si ma mémoire est bonne, même si en fait j'en ai pas. Vous allez voir. Ce qu'il faut faire, faut le faire tomber. Si c'est ça, je trouve ça un peu chelou. Mais pourquoi pas? On prenne un bâton. De toute façon, des bâtons, j'en ai pas 50. J'ai vu un truc, je pense que vous l'avez vu aussi. Là. Un cœur, ok. Juste ça. Donc on va pouvoir sauter. On va peut-être pouvoir s'arrêter. On va bientôt pouvoir s'arrêter. Ok, il y en a trois. Mais tire. Oui, ça se crée, je comprends pas. Je comprends pas, là, les gens. Je comprends pas. Oh, il y avait un code. J'ai plus le code. J'ai plus le code. C'est pas 2-3. Je crois me souvenir de 2-3. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est ça de pas lire. Non. On va faire 1, 2, 3. Un. Deux. J'ai plus le code. Bon bah vous savez quoi les gens, on va arrêter du coup cet épisode là. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Un petit like, ça fait toujours plaisir. J'ai plus le code malheureusement. Je vais essayer de le retrouver au montage. Sinon au pire, j'ai regardé un épisode de quelqu'un. Allez, bye tout le monde. Allez, bye bye.